Bonjour et bienvenue sur KGIS TV. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour Infinite Crisis, encore une nouvelle partie et cette fois-ci avec Gaslight Joker. Bon, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va. Donc aujourd'hui Gaslight Joker prend un but, c'est un tank, donc il y a pas mal de vie. Comme d'hab, je vais lui laisser ses sorts de base. Et après, il va falloir que j'achète des persos finalement, hein, pour continuer à faire ces vidéos. Parce que tous les gratuits, je crois que je les ai testés. Et ma foi, il va falloir que je voie ce que je prends. Dites-le moi dans les commentaires. Moi c'est vrai que j'avoue que Catwoman peut-être, mais je pouvais pas tous les prendre. Alors soit je vais prendre les persos qui sont pas très chers pour faire plus de vidéos, soit il faudra que je joue un peu plus en off pour pouvoir les choper. Crédit, je suis le dernier, on m'attend. Et du coup je sais pas du tout ce que j'ai fait. D'accord. Je fais des dégâts et je récupère de la vie par rapport aux dégâts que j'ai fait, donc une espèce de vol de vie. Et une grosse boule de feu. Bon, alors en face on aura une Zatanna qui a un costume à première vue, Poison Ivy, Atomic Wonder Woman, Gaslight Joker et Green Lantern. Et en face, on a le Batman. Donc classique, hein, c'est pas le Batman que vous avez pu voir dans ma vidéo. Catwoman, Flash, Nightmare Batman et Shazam. Et ben on va voir ce que ça donne. Voilà, à première vue, tout le monde a fini sauf notre Green Lantern. Ah, ça y est, il se réveille. Mais bon, au moins, c'est ça clignote de partout. On a une progression totale, donc c'est plutôt sympa. Après, l'erreur que fait, à mon avis, le jeu, pour avoir fait maintenant quelques parties, hein, c'est que la carte la plus jouée, celle-ci, c'est Dominion. Mais c'est paradoxalement la carte la moins jouée dans League of Legends. Donc, mon dieu, un Joker obèse. Donc c'est plutôt c'est plutôt étrange comme choix. Bah après je vous ai déjà montré une fois l'autre carte. Hein. Il se passe quoi là? J'ai quelques petits problèmes à première vue. Bon. On va voir ce qui se passe. Hein. Je me TP. Préférence, peut-être que si on touche un peu... graphisme. De toute façon j'avais pas... Faut peut-être virer ça. Non, toujours plus ou moins pareil. Bon bah tant pis, on va jouer comme ça. Hein. Écoutez, pas tout, c'est une alpha, c'est une bêta, hein, donc il y a forcément des bugs. Ouais, quoi que ça a l'air de... Oh, on m'a mis de la vitesse, nickel. Et on va pouvoir aller capturer le premier point. Donc j'ai un bonus. Ah d'accord, j'ai un bonus de la magicienne justement. Dans une précédente vidéo, je croyais que ce bonus était rien que pour moi, mais en fait il est pour tout le monde. Ah, on a le Batman classique qui est là. On va essayer d'aller le choper avant qu'il capture le point. Et puis j'ai pas vu mes sorts, donc je sais pas du tout ce que je fais. Ah mes potes m'ont abandonné. J'ai fait un sort dans le vent. Bon, on va se faire un petit repli stratégique. Hein. Donc pour le moment on a que 2 points, ils en ont 3, donc ils ont l'avantage. Ce qui est plutôt problématique. Hein. Et en bas en même temps ils sont 3. Essayer d'aller les aider. Allez, Poison Ivy et les dégâts. D'accord. Tu repasseras pour les dégâts. Moi, je suis obligé de faire le tour. Bon. Eh ben, cette partie s'annonce pas top pour le moment. Elle s'annonce pas top. On va vite faire aller récupérer les points de vie. Alors, on va acheter l'objet conseillé comme d'hab. Bon, c'est quasi instantané, hein, le remettage de vie, c'est plutôt sympa ça. Et puis là, ils en profitent, ils sont en train de se gaver les mecs. Ça va pas. Donc il faudrait qu'on essaie d'aller capturer les autres points en fait.
là. J'envoie un gigot dans la gueule. Ouais, il est sorti de sous cette tour. Ah merde, j'ai vu son pote qui est arrivé. C'est dommage, j'aurais pu faire un kill. Ouais, j'ai loupé. Ouais. Bon, en fait, il joue sur sa vie, lui. C'est le cas de le dire. C'est pas top. Bon, on va reprendre sa vie. Allez, ça va relativement vite, mais ça met quand même un peu de temps. Faut au moins qu'on ait 3 points. Comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe de la carte maintenant. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, c'est de la domination, donc il faut avoir le plus de points sur les 5, minimum 3, hein, pour réussir à récupérer, enfin à faire des dégâts au cœur. Et le premier cœur qui arrive à 0 a perdu. Donc, voilà, toc. Je prends mon jambon là que j'envoie, ça m'a l'air pas mal. On a récupéré 2 points, mais en haut ils vont se gaver. Hop, allez, on va pas, on a déjà perdu un contrôle. Donc il y a 2 à 2 pour le moment, pour le contrôle. Donc on arrive à récupérer un point, je vais essayer d'aller ninjater celui qui est en haut. Alors ce personnage là, j'aime pas trop à vrai dire. En gros le A je fais plus de dégâts, le W je balance un gigot, et le E je me mets un bouclier pour prendre moins de dégâts. Et l'ulti, j'ai pas vraiment fait gaffe, mais j'invoque une nuée de rats. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Ouais, va falloir que je joue serré, je vais essayer de récupérer tous les points derrière eux, parce qu'ils m'ont pas vu à première vue. Puis là, on a 70 points de retard déjà, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Là, il y a Batman qui arrive. Il fait bien chier. Allez, on va aller récupérer le point en haut. J'essaie de défendre. Défendre, ça peut être forcément évident. Et le mec m'a vu venir. On va attendre là. Vraiment pas grand chose. C'est un maras. Donc j'ai pas de mana, j'ai pas d'énergie, là c'est vraiment que de la vie. Je fais mes sorts sur ma vie en fait. Là, je fais plus de dégâts. Le monsieur était récupéré la vie. C'est bon. Ah, j'ai eu un défi par contre. Il peut être sympa pour notre niveau 7. Ah purée, il a gagné son pote. Essayez d'invoquer la nuée de rats. Sauf que je me suis pris deux ultis dans la gueule et que je suis mort. On a quand même réussi plus ou moins grâce à mon sacrifice à récupérer un peu de points, hein, 465 à 400... Ah, 361, non, pardon, on est en train de se faire laminer, là. Bon, bah cette fois-ci, je crois que malheureusement, vous alliez voir ma première défaite, hein. Fallait bien que ça arrive. Fallait bien que ça arrive. Ce perso, vraiment, je pas du tout. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes persos, hein, les mêmes gens en face de nous, contre nous. C'est plutôt sympa. C'est Catwoman qui a fait ça. D'accord. Oula 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 oula. Ma pote m'a abandonné. On a beaucoup mieux de rats à côté de moi, mais si j'ai personne à toucher, ça sert à rien. Et elle m'a flingué. D'accord. Ah mais d'accord, au purée, en fait je me suis tué tout seul, mon... Oh merde. En fait, mon ulti me consomme de la vie. Et j'avais pas fait gaffe, et bah forcément quand il me restait 2 points de vie, l'autre elle arrivait, elle m'a foutu un coup et elle m'a tué. Ce qui ma foi a été fort désagréable. Bon, on a toujours 100 points de retard. Ça veut pas dire que c'est perdu, mais bon. Dire que c'est mal engagé. Et forcément il y a quelqu'un qui arrive pour défendre. Et merde, je me prends la tour.
merde, ça a pas marché. Moi je comprends pas comment il marche aussi son sort là, je suis censé détruire des choses et récupérer de la vie. Mais... ça a absolument pas marché. Bon, ils ont 4 points. Je sais même pas si on peut se rendre dans ce jeu. Non, même pas. Bon, ils ont récupéré le canon à ion, tranquille. Ils vont nous foutre en grosse raclée quoi. Voilà. Pour arriver à ce niveau-là, 140 de retard. C'est voilà. Je l'ai fait fuir pour essayer de capturer le point. Avec la Miss Magicienne. C'est nous, on prend vu qu'il a eu le canon à ion. Pardon. On l'a eu avec le petit robot qui en pop. C'est déjà ça. Hein. Donc toi t'es là, sans doute pas un bras. On en utilise trop de dégâts. Ouais, j'aime vraiment pas ce perso, c'est une espèce de tank qui pompe sur sa vie, c'est... il doit être super fort, hein, je dis pas le contraire, mais moi je n'arrive pas à le jouer. Et ça commence à devenir problématique, parce que je suis là, enfin je suis sûrement pas le seul, mais je suis un peu un handicap pour mes potes. J'ai 0-4, donc c'est moi qui ai les plus mauvaises stats de la partie, carrément. Comme quoi, bah, on peut pas être bon avec tous, hein. Je suis vraiment pas beau. On va essayer de la jouer technique, hein. Même si on n'est pas bon avec un personnage, on peut toujours aider nos potes. On peut toujours essayer de les aider, et là en l'occurrence, c'est en essayant d'aller capturer des points, même si je meurs au moins. On arrêtera de perdre de la vie pendant quelques secondes, parce que bon, on a que 2 points sur les 5. Là, je suppose que Batman est monté pour aller les aider. J'espère. J'espère sincèrement, descendu pour les aider, non, juste à récupérer de la vie. Il m'a vu, oui. Ok, allez, hop. Essayer de le tuer. Ouais. Malheureusement, je n'ai point réussi. Il va me buter. Voilà. Bon, vraiment une mauvaise partie. Hein. Bon, après ça arrive. Hein. Après c'est. Mais ouais, donc comme je disais, ce personnage-là, ouais, je le sens pas. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Mais bon. Hein, on va quand même faire la partie jusqu'au bout, après c'est un let's play. Et je peux pas tout les gagner, hein. Écoutez, jusqu'à présent j'ai tout gagné. Et là, bon, des fois grâce plus à mes potes qu'à moi d'ailleurs, mais bon. Là en l'occurrence, j'handicape plus mes potes qu'autre chose. On a toujours 120 de retard à peu près. Là ils vont essayer d'aller prendre le canon. Je vais essayer d'avancer. Ouais, ils arrivent à deux. C'est même pas la peine. D'accord. Je vais essayer de faire un peu des dégâts de loin. Mais... je vais m'expliquer que c'est pas une bonne idée. J'aimerais bien comprendre ce que tu peux récupérer de la vie. Ah, j'en ai deux sur la quad, donc il y en a qu'un qui va. Ah, même pas les tourelles attaquées. Oh là là. Donc les tourelles attaquées les sbires, comme vous voyez. Donc finalement, je vais me faire défoncer la gueule. L'habitude de League, j'étais persuadé que les tourelles allaient attaquer ceux qui m'attaquaient. Mais en fait, non. Non, non, dans ce jeu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. Bon. Ouais, espérons que la défaite sera rapide. Là, c'est vraiment pas top. Ni pour vous regarder, ni pour moi jouer. Au moins, ce qui est un gros retournement de situation. Ah, on a encore chopé le robot d'ailleurs. Il est en train de capturer un point pour nous. Je vais essayer d'aller l'aider. Mais bon.
Nous on en est à 50% de notre cœur, eux ils en sont à 75%, ils ont 25% en gros d'avance. Mais je dois avouer que là on a quand même fait un joli coup, puisque finalement on a quand même 3 points, presque 4. Pour le moment. Ah purée, les mobs ils sont en train de capturer le point, je crois pas. N'importe quoi. Du coup j'abandonne le point du haut qui va être récupéré par Catwoman. Pour aller sauver ce pont de points. Et ce pont de points va être repris. Non c'est bon, il n'y a personne. Je peux récupérer ça. Tac. Ah, toujours 2 points. Là je suis en train de récupérer le troisième. On est en train d'en perdre un en même temps. C'est relativement serré. S'ils avaient pas eu autant d'avance au début, on aurait pu peut-être faire quelque chose de mieux. Mais bon, pour le moment, hein. On fait comme on peut. Bon, Batman défend les 2 points, je suppose. Il est passé dans la brume. Je vais essayer de passer par derrière vite fait. Hop, on l'a pas vu. En espérant que ma copine magicienne va bien se démerder. Bon, moi quand je la jouais, en tout cas, j'arrivais pas à faire de dégâts. La copine magicienne, elle était sympathique. Voilà, je vais essayer de récupérer le troisième point. La copine qui arrive pour l'aider. Nickel. Hop là. Et ils vont récupérer encore un point. Ben moi, au lieu d'aller défendre, vu que je sais que je sers à rien, tant qu'à faire, je vais aller essayer de pomper un truc là-bas. C'est pas évident, hein. Là c'est vraiment de la... du contrôle. Contrôle contre du contrôle. Voilà, ils ont 4 points là. Donc j'en récupérerai un, on aura 2. Ça va pas être terrible quand même. Ça va pas être terrible. Là il y a Flash qui arrive, lui il va nous déplacer encore. Ouais, il joue la sécurité en plus. Là il faudrait que je... Ouais, j'ai pas réussi. J'aurais réussi à avoir le point avant qu'il revienne. Oh, bon. D'accord. Ah non, même pas, il m'a pas touché l'autre, mais bon, ça m'a fait faire un écart, ça lui a permis de gagner. Et bébé, c'est ce qui s'appelle se faire démonter la gueule. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on va subir une cuisante défaite. Ah non, on va subir une cuisante défaite. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on va se faire péter la gueule. Bon, on va essayer de récupérer ce point du coup, donc eux ils sont tous à fond... sur celui du milieu. On va leur répondre aux autres. Donc je suis en train de récupérer le troisième point. Mais du coup, t'as l'autre que... Bon, il va pas défendre. Le Green Lantern, là, et... T'es pas motivé. Attends, c'est pas étonnant qu'on perde, hein. Ils jouent les kills. Ils veulent pas... Ils veulent pas essayer de jouer l'objectif. Faut pas s'étonner de perdre. Ils l'ont pas tué, là. Bah non, il s'est barré derrière. Bon, on est 3, là. Là, bientôt. S'il se mettait là, le Green Lantern, vous voyez, il peut essayer de se faire une trentaine de PO facile. Enfin, des PO, je veux dire, des crédits. On aurait pu le capturer plus vite, mais bon. On reste à 3 points, enfin à 2 points, ils vont encore récupérer un. Je m'achète un petit item au passage. Et je vais retourner essayer de capturer l'autre point. Ouais, bon. Je ne sais pas comment. Et à vrai dire, c'est pas bien grave. Bon,
On a toujours que 2 points, donc on continue à perdre de la vie, hein, mine de rien, puisque bon, on se bat, on en récupère, mais ils en contrôlent plus. Et vu que mes alliés font n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, bon, ils jouent les kills plutôt que de jouer les points. Ce qui peut paraître paradoxal, mais faut jouer l'objectif de la carte. C'est typiquement l'erreur que beaucoup font. Et là, il y a Flash qui va me foncer dessus, parce qu'il sait très bien qui me démonte. Et je le sais aussi, d'ailleurs. Mais bon, j'ai une petite chance si j'arrive à récupérer le point avant qu'il arrive. Et j'ai réussi. Une puissance multi, voilà, tac, tac, tac. C'est facile pour lui. Tac, tac. Tac. Et personne vient m'aider. Voilà. Je sais pas ça, il est fort hein. Enfin, en même temps il fait son ulti, voilà. Bon, et il s'acharne hein, tant qu'à faire on pourrait se rendre, hein. Je sais pas comment on fait pour ça. Non, ça veut pas. C'est bien dommage. Hein. Ah, peut-être qu'on... c'est comme sur League, il faut attendre 20 minutes. Non, en plus cette vidéo va être trop longue. Hein. Bah sinon je vais la couper, hein. Écoutez, à 20 minutes, je couperai, de toute façon, je vous cache pas que ça sera sûrement une défaite. Et voilà, comme vous avez vu un peu toute la vidéo, au moins je dirais que ce perso, voilà, je l'ai testé, je ne le retesterai plus. Je ne l'aime vraiment pas. Hein. Bon, mais je vous fais des gros bisous le loulou. Si vous avez quand même aimé cette vidéo de me faire ratatiner la gueule, vous pouvez mettre un pouce vert. Et puis sinon, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous le loulou. Et puis bah, je vais quand même faire farmer le temps de finir cette vidéo. De toute façon, il n'y a pas de secret. Allez, bisous, ciao ciao les gens, bye bye. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.